Bonjour les amis, nous voici aujourd'hui réunis pour un petit événement puisque nous allons tester un nouveau jeu, c'est Dungeons 2. Pourquoi je le teste? Alors je ne l'ai pas acheté. Il était simplement... temps. Les troupes du mal absolu avaient repoussé. Voilà, on va diminuer le son. Hop. Donc pourquoi je... Hop. Voilà, parfait. Parfait. Votre rire des monnaies. Celui-là est pas mal. Donc, pourquoi je joue à ce jeu? Donc, non, je ne l'ai pas acheté. J'ai eu gratuitement sur le Humble Bundle. C'est toujours ça de prix. Donc ici, c'est un jeu... un jeu plutôt genre Dungeon Keeper à l'époque. Donc, c'est-à-dire que vous allez gérer des troupes, mais pour garder votre donjon intact apparemment. Donc, une espèce d'STR, mais enfin un peu spécial. Le jeu date d'il y a quelques années maintenant, mais il est toujours pas mal. Je pense qu'il doit dater de 2014 ou 2015, quelque chose comme cela. Et du coup, vous jouez le mal. Et donc voilà, nous allons commencer la partie. Un royaume débordant de fleurs et d'arc-en-ciel, fantastique, de papillons et de petits oiseaux, et où tout plein de personnes, toutes mignonnes, menaient une vie paisible. Bref, c'était le royaume de l'Alliance. Pour la Horde! Ouais, non, ok, attendez, je me suis trompé de jeu, là. Mais un chemin mené vers un endroit... Différent. Keep out, ouais. Au bout de ce chemin, oui. Se trouvait une paroi rocheuse, dans laquelle était creusée une grotte où vivait le mal absolu. Ah, le mal absolu, c'est moi. Une simple grotte humide, puant la moisissure, mais un donjon si profond que les ténèbres elles-mêmes n'osaient pas s'en approcher. Waouh, ça doit faire vachement peur. Il abritait de nombreux monstres innocents. Hey, ils mangent la licorne. Et vivaient en parfaite harmonie avec leur environnement. Toutefois, vint le jour où les membres du bien s'aventurèrent sous terre à la recherche de trésors et de points d'expérience. De nombreux monstres innocents y trouvèrent la mort. Mais pire encore, on volait les trésors du mal absolu. Ah, ça ne va pas si on pique un mes jour, trésors. Alors que de nouveaux héros venaient de piller son donjon, le mal absolu décréta que la situation n'avait que trop duré et qu'il était temps d'agir. Aux grands mots, les grands remèdes, il allait se rendre à la surface. Ouh, ça va chier. On dirait Sauron. Les membres de l'Alliance tentèrent tant bien que mal de résister, mais la Horde déferla sur eux tel un raz-de-marée de haches. Ouais, apparemment, dans ce jeu, il va y avoir beaucoup de références, genre... Après au Seigneur des Anneaux. Le mal absolu se tenait enfin devant la capitale de l'Alliance, Port Irréal. Ok. Alors, saviez-vous que vous pouvez combler les couloirs des salles? Alors, les bardes... Ok, j'ai pas le temps de lire. Très bien, donc là c'est la bataille, c'est style Warcraft 3 en plus joli. Hein. Il n'y a pas à dire, c'est carrément plus beau. Les armées du bien, pourtant considérablement diminuées, s'y étaient rassemblées pour la bataille finale. Le mal devait payer le prix fort pour avoir osé s'aventurer en ces lieux. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Petit rire maléfique. Mon Dieu, des lapins roses, des lapins bleus. Ils sautèrent sur le sol, révélant un ancien chemin en direction des profondeurs. Ok. Alors, surgissant lentement des ténèbres, apparu le mal invincible. Le mal invincible. Ah, je crois que c'est moi. Le mal irrésistible entama sa longue marche en direction du... Ah oui, c'est moi. Bon, dans l'éventualité improbable où il ne saurait plus comment faire, il pourrait toujours utiliser la fonction d'aide, par exemple. Il pourrait toujours utiliser la fonction d'aide, par exemple. Commande. Alors. Non. Alors, le ZQSD, ils sont où?
Démon donjon, non. Moi je veux le truc, la carte, non. Collecte, on s'en fout. Oh là, général, non, c'est pas ça. Votre rire démoniaque, F8, ok. C'est toujours bon à prendre. Déplacement, M, non. Horde donjon, non. Non, 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 besogne accélérée, hôpital, purée, celui qui doit retenir tous les... Pouh là là, c'est pas possible. Horde monde supérieur, non. Démon donjon, non. Alors, métamorphose, nuage toxique, crachat, non, c'est pas ça. Alors, bon, tant pis, parce qu'il est en mode... Il est en mode anglophone et j'aime pas ça, c'est pas grave. Alors, je dois aller où? Ben, je dois aller par là. Hein. Allez, on monte l'escalier. Donc j'ai quoi? Déplacement M, Même ouais, la forêt ne logique. résista pas à l'aura du mal ultime et finit par battre en retraite. Même la forêt. Attaque la cible Quelques sélectionnée. unités de l'Alliance étaient retranchées ici. D'un pas Stop. déterminé, le mal absolu avança dans leur direction pour les terrasser à l'aide de son arme Le bras droit... surpuissante. Quoi? Alors, le bras droit du mal et le bras gauche aussi. Un coup si puissant qu'il démontre, s'il en était besoin, que le mal absolu réside assurément dans cet endroit. Dégâts 1337. Alors, pourquoi 1337? 1337, c'est lit Le en... dans mal le monde absolu PC. découvrit une Ça veut dire ménarde. lit. Ces distinctions légendaires permettaient à une créature de devenir encore plus puissante. Le seul inconvénient étant qu'elle ne pouvait en porter qu'une à la fois. Le mal insidieux posa des yeux assoiffés de sang sur le champ de bataille. Selon lui, les derniers défenseurs du bien allaient bientôt périr, faisant ainsi les projectiles lancés par les catapultes de l'Alliance assombrissaient Boum. le ciel. Mais les membres de la Horde n'étaient jamais aussi forts que dans l'obscurité. Enfin, s'ils survivaient à Boum. cela. Allez, vous allez voir moi ce que je vais faire. Tel un Clac. seigneur de guerre, le mal absolu parcourut les rangs ennemis avant de Ah, les il y en a renvoyer encore un sans là. peine au sol. Bon, on va aller finir ce qui se passe là-bas. Allez. Hop là. Allez, des élites partout là. Taillot. Bon bah. Les forces du bien n'avaient décidément aucune chance Ah oui, face au mal clairement. absolu. Hop là. Viens ici toi. Tu vas soigner qui? Personne. Hop. 666. Alors 2 fois 666. Allez, c'est parti mon kiki. C'est Boum. alors que le mal absolu emmena un Boum. autre héros à l'abattoir. Ok, mais je dois passer par où du coup? Ah bah non, on doit passer par là, on doit passer le pont. Allez, passons le pont. Et même ma vie, hein, c'est 1337. Le truc quoi. Le truc improbable. Ah, je peux pas passer, ok. Ah bah ok, je dois encore passer par là. Mais non, d'idiot. Non, d'idiot, non, d'idiot, non, d'idiot, hein. Rien Oh, vous ni êtes tous personne morts. ne pouvait arrêter le mal invincible. Je suis le mal invincible. Alors, écraser le camp ouest, écraser le camp est. Ah bah oui, j'ai encore ça, hein, c'est pour ça. Le mal absolu rasa le camp ennemi situé à l'ouest avec une facilité déconcertante. Et il y a Un encore dernier celui-là, camp ok. minuscule résistait encore au mal terriblement maléfique. Je Mais les là avais point vus, encore, les amis. tout cela ne ferait pas long feu. Mais là encore, tout cela ne ferait pas long feu. Allez, c'est parti. Venez ici, les catapultes. Vous allez, hop, périr. Hop. Le Boum. mal absolu rasa le camp ennemi situé à l'est avec une facilité Ah déconcertante. oui, ça c'est Les clair que gardiens c'est postés à l'entrée de facile. la ville furent réduits en bouillie. Le moment était enfin venu de prendre Port Irréal d'assaut. La bataille finale était La imminente. bataille finale. La porte de la La ville était fortement barricadée par bataille les archers de finale. l'Alliance. Mais il en fallait plus pour décourager le mal absolu. Ah. Ben alors, allez-y, écrasez-les! Allez! Ah oui, oui.
Attends, Oui, c'est ok. vrai, mon texte. Le speaker, il est Face à une assez toute fantastique. puissante, le mal absolu parvint à éliminer les archers et à ouvrir la porte de la ville. Usant de ses pouvoirs Ok, légendaires, c'est le terrible. mal absolu balaya cet affront d'une main et élimina Boum. tout un groupe d'ennemis. Véridique. Mais la route vers la Véridique. capitale était à présent dégagée. Le mal absolu n'hésita pas une seconde, pas même une nanoseconde. Le mal insidieux pénétra dans Port Irréal, où l'attendait une ridicule poignée d'ennemis. Eh ouais. Tout à coup, les portes de plusieurs maisons s'ouvrirent brusquement, et de nombreux ennemis se Je les ruèrent vers le écrase. mal surpris. Un piège. Un piège. Je suis le mal absolu. Personne ne va me tuer. Boum. Hop. Boum. Oh, vous êtes mort. Vous aussi. Bon, par contre, j'ai plus trop de vie là. Hein. Voilà. Le mal invincible terrassa les gardiens. Port Ouais. Irréal Ouais. était Je détruit. suis le mal Au absolu. moins, c'était ce qu'ils croyaient. Ah. Ah. Oh. Ah. Ok. Non mais sérieux? Soudain, les derniers héros survivants de l'Alliance apparurent. Encore un piège. Voilà qui commençait à devenir lassant. Plutôt, Mais oui. cette fois-ci, quelque chose changea. Les héros levèrent les mains et se mirent à chanter quelque chose d'incompréhensible. Un rituel magique, peut-être. Voilà qui ne laissait présager rien de bon. En réalité, ce chant ne laissait présager que du bon, mais pas pour le mal absolu. Ah, ok. Ah bah victory, yes, j'ai Quelque gagné. part dans les profondeurs du donjon, le mal ultime se réveilla. Il ne savait pas ce qui s'était passé, il ne savait pas ce qui l'avait réveillé, mais il mourait d'envie de se venger. Je meurs d'envie de me venger. Les derniers héros du pays unirent leurs forces et lancèrent un puissant sort de bannissement. Le regard noir et serrant le poing, le mal absolu disparut alors, tandis qu'on pouvait lire sur ses lèvres, entre ses mâchoires serrées, ces quelques mots. Je Je reviendrai. reviendrai. Le I'll mal be absolu back. avait été banni et son essence brisée en plusieurs morceaux. Son règne de terreur était révolu. Les habitants du monde supérieur célébrèrent cet événement et une ère de paix commença pour Oh, l'Alliance. comme c'est Les mignon, créatures des diaboliques furent bannies papillons, dans le monde souterrain, tes condamnées à fées, tes servir de chair à elfes. canon pour les aventuriers en manque de sensations Oh, fortes. les salauds. Pendant ce temps, dissimulés dans les recoins les plus inaccessibles de la planète, reposaient les derniers vestiges du mal absolu. Jamais ils ne Il y avait reverraient l'amour l'anneau. du monde supérieur. Jamais jusqu'à ce jour. Quelque part dans les entrailles de la Terre, le mal ultime se réveilla. Et ouais, je suis comme ça, moi, je me suis réveillé, les amis. Vous pensiez quoi, vous alliez m'abattre? Eh bien non. Je suis de retour. C'était censé être un rire un C'est peu alors que la diabolique. main de la terreur se leva, contrôlée par le mal ultime. La main. Allez, main de la terreur, on se lève maintenant. Ok. Explorer les environs pourrait s'avérer être une bonne idée. Pour cela, un brin de lumière serait le bienvenu. D'accord, il a fait un petit... Et puis Pas c'était bon. assez lumineux. La lumière a révélé une ancienne salle du trône. Les circonstances restent un mystère. La main de la terreur parcourut la salle du trône, suivant la moindre pensée du mal ultime. Le mal ultime. Après quelques exercices d'entraînement, le mal ultime parvint à contrôler la main avec aisance. L'heure était alors venue d'appeler les créatures qui lui étaient complètement dévouées afin qu'elles fassent le sale boulot. C'est justement à cela que servaient les morveux, les rebuts de tous les donjons. Le D'accord. mal avide d'expansion en recruta un sans plus attendre. C'est alors qu'apparut le tout premier morveux, prêt
prêts à travailler dans le donjon et à se rouler par terre pour les beaux yeux du mal ultime. Les morveux étaient un maillon essentiel pour le mal ultime, puisqu'ils étaient chargés de creuser de nouvelles zones. Le mal psionique ressentit la présence d'un élément important enterré quelque part au sud. Il ordonna alors à ses morveux de creuser dans cette direction. Aussi furtif qu'impet, le morveux se rendit à l'endroit sélectionné et commença à creuser. Ok. D'accord. Remplissage, je vais remplir à nouveau vos couloirs. En revanche, cela vous empêchera de condamner totalement une zone du donjon. Si c'est fonction pour démolir des salles. Il semblerait que les créatures du mal comblaient et travaillaient plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. En effet, un magnifique donjon se dressait maintenant devant ses yeux ébahis. Tout était déjà en place. Les portes, les pièges, une chambre au trésor bien remplie. Et... comment ça, une chambre au trésor? Et hein? Où est-ce que vous voyez une chambre au trésor? Bah juste là. Ces stupides morveux ne sont vraiment bons à rien. Vous devez d'abord extraire de l'or afin de faire de la place pour une chambre au trésor. La main de la terreur indiqua rapidement quelques petits filons d'or, afin que les morveux puissent les exploiter. Une fois le filon d'or sélectionné, un morveux s'empressa d'extraire de l'or pour le mâle cupide. Très bien. Allez, travaille plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Allez. Donc là, on a des mini-gobelins qui sont en train de miner. Ils minent mon or. C'est quoi ça? Évacuation. Vous pouvez ordonner à vos morveux de commencer à excaver des zones du donjon pour faire ok. Type de vendor. Vous rencontrez deux types sur la terre, les vendors, les vendors. Les vendors peuvent être exploités rapidement, un peu comme les murs normaux. Elles vous procurent une grande quantité d'or pendant une courte durée. Les vendors riches perdurent quant à elles plus longtemps, mais ne vous procurent qu'une petite quantité d'or à chaque fois. Même un génie aussi maléfique que vous ne peut contrôler qu'un certain nombre de créatures. Cette limite, c'est ce qu'on appelle les points de population, indiqués en haut au centre de l'écran. Si vous atteignez la limite, vous ne pourrez plus recruter de créatures avant d'en avoir éliminé d'autres. Pour cela, il vous suffit de prendre une créature et de la jeter dans la fosse de votre salitron. terrible. Tout d'abord, sélectionnez votre salitron officer, clic gauche. Ensuite, sélectionnez l'option recruter un morveux. Ok. Ça, nous l'avons déjà fait. Très bien. Une fois l'or en grande partie extrait, la main de la terreur érigea rapidement une chambre au trésor afin d'y stocker le précieux métal. Hop. Le mal ingénieux accomplit cette tâche haut la main. Ses morveux pouvaient à présent stocker l'or extrait dans la chambre au trésor. Cet or se trouvait désormais à la disposition du mal cupide, si celui-ci devait construire de nouvelles salles ou recruter de nouvelles créatures. Si les morveux étaient pleins de bonne volonté, ils étaient malheureusement trop faibles et trop lâches pour protéger le donjon. Puisqu'ils ne pouvaient pas le défendre lui-même non plus, le mal ultime n'avait d'autre choix que de recruter des orques. Toutefois, ces créatures ne pouvaient pas vivre sans manger, ou plutôt sans boire de la bière. Par conséquent, la construction d'une brasserie s'imposait comme la prochaine nécessité. Il fallait alors libérer de l'espace. Le mal ultime avait le sentiment que ses serviteurs ne mettaient pas assez de cœur à l'ouvrage. Peut-être qu'une claque administrée par la main de la terreur pourrait les remuer un peu. D'accord, allez, une petite claque ferme et amicale, le mal sadique exhorta sa créature à travailler plus rapidement. Terrible. Allez, travaille. Plus vite. Plus vite, j'ai dit. Plus vite. Plus vite. On a besoin de construire une taverne pour recruter nos orques. Allez, dépêchez-vous. Mais pour le moment, c'est plutôt marrant.
plus vite. Toi aussi. Snoops, not snark. Et Snoops. Snoops. Quel nom, Snoops. Alors, nous allons construire une zone était désormais prête à accueillir la brasserie. Et une brasserie. Un claquement de doigts, voilà. La main de la terreur érigea la nouvelle salle. Parfait. Mais la nouvelle brasserie ne disposait pas encore de cuve de brassage. Dans un soupir de résignation, le mâle surmené s'occupa également de ce problème. Ouais, ok. Je veux bien faire une cuve de brassage, mais je fais comment? Ah voilà, ok, ici. Hop. Le mâle perfectionniste voilà. Ajouta une cuve de brassage afin de pouvoir commencer au plus vite la préparation d'une délicieuse bière. Un morveux commença à travailler à la cuve de brassage. Le mâle nostalgique refoula ses souvenirs d'Octoberfest. Molester les unités, ouais, construire une salle, ouais. Il avait plus important à faire que de ressasser le bon vieux temps. Ainsi, la bière et l'or abondaient dans le donjon. Le mâle était venu de recruter des créatures pour se protéger des héros cupides et autres individus qui oseraient s'aventurer dans le monde souterrain. Pour l'heure, seuls de simples orques faisaient vœu de loyauté envers le mâle ultime. Le reste de la horde était dispersé aux quatre vents. Ok. Les orques étaient des spécialistes du combat rapproché, capables d'affronter plusieurs ennemis à la fois. On va faire un deuxième. Toutefois, ils étaient particulièrement vulnérables aux attaques à distance. C'est jour de paix. C'est jour de paix. Un gong inquiétant retentit à travers. Salaire payé. Ah ouais, d'accord. En plus, c'est salaire à payer. Bon pour les stocks de la chambre trésor, puisque cela indiquait l'heure de la paye pour toutes les créatures du donjon. Malheureusement, le mâle ultime étant enchaîné à son trône, il ne pouvait empêcher le gong de retentir. Par conséquent, il n'avait pas d'autre choix que de satisfaire les besoins financiers de ses serviteurs, du moins pour le moment. Ouais, forcément. Créature disponible dans... Ok. Hop. Le donjon du mal à vide d'expansion prospéra, mais finit malheureusement par atteindre la population maximale possible. Même ingénieuse et magnifique que vous, ok. Il fallait désormais se débarrasser d'une créature dans la fosse de l'oubli, avant de pouvoir en recruter d'autres. La fosse de l'oubli, elle est où? Elle est là. Un orque tout pouilleux émergea des profondeurs et fit vœu d'allégeance au mal ultime. Ce fut la première étape dans la formation d'une puissante armée. Se perdant au plus profond de la fosse de l'oubli, la créature disparut dans un... Ce geste cruel de l'innocence dans un léger sourire sur le visage du mâle. Oh là, il s'entraîne miner l'or, c'est le bien. En eut assez de visiter son là, il s'entraîne et créer de la bière, je pense. Pour déguster un plat qui se mange froid. Et ça. La vengeance. Certains membres de l'Alliance okay. Étaient probablement de garde à l'entrée du monde supérieur et serviraient de mise en bouche pour le mâle. Creuser au sud. Très bien. Alors... On va creuser là et vite fait bien fait. Hein. Allez, dépêchez-vous. Allez, grouille-toi. Plus vite que ça. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Alors qu'elle cherchait une entrée vers le monde supérieur, les créatures du mal sans nom tombèrent sur un nid d'araignée. Un seul orque n'aurait pas suffi à en venir à bout. C'est pourquoi le mâle épouvantable utilisa la main de la terreur pour se saisir de plusieurs créatures inexpérimentées au combat et les jeter directement dans le nid d'araignée. Allez, battez-vous. C'est bien. Allez. Non, non, tu viens ici, toi. Allez, va détruire ces araignées. Ça vous fera d'XP comme ça. Parfait. Les araignées tombèrent comme des mouches. Le mâle, à la stratégie parfaite, se félicita, fier d'avoir entraîné ses troupes au combat avec un tel aplomb. Enfin, il les avait plutôt jetés à l'ennemi, mais ne jouons pas sur les... Ils avaient jeté à l'ennemi. Le donjon était désormais bien en place, même si la brasserie était encore trop petite pour stocker assez de fûts de bière, et que la chambre au trésor pouvait encore être agrandie.
Le mâle avide d'expansion n'hésita pas longtemps avant de développer son donjon. Ok. Bon. Je veux bien. Donc là, ils sont en train de... comment dire? Hop, non, là, je ne peux pas. Le mâle ok, c'est quoi ça? Mais ses frères dorment encore. Agrandissez votre brasserie. Ça figure pas sur mon script. Ouais, encore un mec chelou. Bref. Encore un mec chelou. Voilà. Et là, on va agrandir. Allez les amis. Oh, est-ce que j'ai pas mal d'or là? On va agrandir la salle ici aussi. Hop. Oh. Magnifique. Hop. Perfetto. Voilà. Super. Hop. Ok. Alors, brasserie. Voilà. On crée notre brasserie, on crée notre brasserie. Au calme. Hop. Et hop. Une étrange odeur se propagea à travers le donjon du mâle. Creusé au sud. Il jura alors qu'à l'avenir, il mangerait moins de flageolets. Ok, il a lâché une grosse proute. Ça c'est cool. Alors là, ah oui, d'accord. Je peux en stocker 48 là maintenant des barils de bière là. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal de barils. Là du coup ça y est, ils peuvent boire. Une monstrueuse surgit de l'obscurité, campée sur ses 6 oh. Non, sur ses 8 grosses pattes velues. Les gardes humains de ce donjon n'étaient plus de ce monde depuis bien longtemps. Ils avaient laissé place à une énorme araignée et à sa progéniture. Sam et Frodon parviendraient-ils à s'enfuir et à poursuivre leur périple vers la montagne du destin? Ou cet événement allait-il sceller la fin du porteur de l'anneau? Un instant, j'ai dû me tromper de texte. Ah ouais, tu t'es trompé de texte là. Ah oui, une énorme araignée, que nous appellerons la reine des araignées. Il était indispensable d'éliminer la reine des araignées avant que la horde n'atteigne la surface. La reine des araignées envoya une première vague. Cette abomination, autrefois appelée reine des araignées, n'avait plus les armes pour s'attaquer à la horde. Plus tard, le mâle délicat se servirait de ses entrailles pour fabriquer une lampe à lave. La voie de libre ses entrailles pour faire une lampe à lave, ok, pas mal. Une chose, l'heure de la vengeance avait sonné. Ah oui. Le mâle ignoble voulut profiter de cette aubaine pour pousser un rire sinistre, mais son état physique l'en empêcha. De ce fait, il demanda au narrateur s'il pouvait s'en charger à sa place. Bon, très bien. Alors voilà. Alors voilà. c'est dingue. Franchement, ce jeu est vraiment sympa. Menu principal. Ce jeu est vraiment sympa. Le narrateur, il est vraiment top, quoi. Se fut échappé des profondeurs. Il est vraiment top. Toujours enchaîné au trône, il arpenta le royaume, déchaînant sa colère sur tous ceux qui lui avaient fait subir ce sort. Dans sa folie destructrice, il pouvait s'appuyer sur le soutien indéfectible des morveux. Sa première cible fut Robert le Paladin, roi de l'Alliance, qui s'était retiré au calme... Pour la Horde ! Il serait la victime parfaite. Ok. Donc ici, bah, on a fait le petit didacticiel ainsi que bah, ouais, la première mission finalement du jeu. Alors j'espère que ce genre de jeu vous plaît, parce que moi ça me plaît beaucoup. Donc j'aime vraiment bien. En fait ce que j'adore surtout c'est le narrateur, là, celui qui parle tout le temps, les petites allusions au Seigneur des Anneaux. Alors franchement, allez, toutes ces allusions à de l'Heroic Fantasy comme ça, j'adore. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et éventuellement à partager cette vidéo, ça ferait vraiment plaisir.
Sur ce, je vous laisse les amis, et je vous dis à la prochaine pour un second épisode sur Dungeons 2. Allez, ciao ciao, à plus.